Bon, on a prévu quelque chose de spécial pour le dernier épisode, une chanson, un truc? Non, tout ça on l'a déjà fait dans l'épisode sur le bilan. Non, là c'est un épisode normal sur la presse. Ah génial, on en profite pour leur glisser une dernière saucisse. Une saucisse? Bah ouais, les gens ils s'en foutent des discours construits, des idées. Ce qu'ils veulent c'est un geste fort qu'on reconnaît facilement. Bah pour nous on n'a qu'à dire que c'est la saucisse. Tu l'as fait comment la saucisse? Je sais pas, comme ça, un truc. Non mais en fait ce qu'il faut savoir, celui qui se donne la peine de chercher, hein, il le trouve, hein, c'est dans les bouquins les plus sérieux à ce sujet, c'est que le Super Player, cette espèce de caste Nintendo nippono sataniste, hein, dans le milieu du jeu vidéo parisiano-bobo-mondialiste, hein, c'est eux forcément que tu retrouves à tous les plus hauts postes de responsabilité. Hein. On leur donne des tribunes dans les médias dominants, tels type JVC et compagnie, hein, financés, et ça ils ont même pas la pudeur de le cacher, par l'argent sale de la mairie de Paris. C'est des gens infâmes comme Cœur de Vandale. Alors tiens, je peux m'arrêter un petit peu, quelques instants si on a le temps sur Cœur de Vandale. C'est un homme, physiquement, tu remarques qu'il a la physionomie du lâche. Hein. Ça, c'est comme tous les super players. Je veux dire, c'est les mecs, je les prends quand ils veulent à la boxe thaï. Parce que je suis pas uniquement quelqu'un qui produit du concept, je suis quelqu'un aussi qui produit de la violence de temps en temps, de temps à autre. Mais bon, ça demande, sur Internet, t'as personne qui exige que tu aies Bac plus 2, quoi. À la télé, tu dois parler français impeccablement, tu dois être à l'aise avec les idées, tu dois être à l'aise avec la parole, tu dois être à l'aise socialement. Autant de qualités qu'on ne retrouve qu'assez peu chez les petits, chez les petites gens, chez les pauvres, chez les... Ce qui fait que finalement, à la télé, ne s'exprime qu'une certaine frange de la population qui n'est pas la frange la plus défavorisée. Et ce milieu que la télé crée, parce que de temps en temps, elle a besoin de sang neuf et elle va faire venir de nouveaux gens, évidemment... Elle va jeter les trop vieux. Mais elle arrive à créer tout de même un espèce de milieu homogène de la télé avec des gens qui se ressemblent parce qu'ils ont les mêmes, non seulement ils ont les mêmes savoir-faire, mais en plus ils ont les mêmes connaissances. Ils ont les mêmes connaissances en termes de connaissances pures comme en termes de connaissances physiques, de connaissances de gens, quoi. Ils ont les mêmes réseaux, ils ont les mêmes. Voilà. Donc tout ça pour dire que. Non, Lightning, JVC, je dis pas que c'est que des juifs à la télé. Voilà, ça justement, ça, c'est la vision simpliste. Ça, c'est la vision débile. C'est la pente glissante, tu vois, vers laquelle tu peux aller. Parce que tu peux faire les mêmes analyses que je fais et réduire ça à juste c'est parce que c'est les juifs, ils sont à la télé et ils tiennent tout. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est des effets de système. C'est des effets de système qui produisent. Parce que là, je vois, il y en a un qui répète en plein de tout à l'heure, depuis tout à l'heure, en quoi est-ce que tu t'éloignes d'Alain Soral? C'est qu'Alain Soral, il oublie les effets de système. C'est trop simple de dire, bon, ok, il y a des choses qui vont mal, on va faire des bons diagnostics, parce qu'Alain Soral fait de bons diagnostics sur certains problèmes, et il va réduire ça à une cause simple. Ce qu'on appelle son étiologie, c'est-à-dire dire qu'est-ce qu'est la cause des symptômes. Son étiologie, c'est simple, d'être clair. Il y a un lobby. Et non, c'est beaucoup plus compliqué. Les effets de système que simplement un lobby. C'est facile de se dire que derrière tout le mal du monde, il y a une volonté malfaisante venant d'un certain groupe de personnes. Ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, et les dominants sont eux-mêmes soumis à leur effet de domination. C'est une phrase de Pierre Bourdieu que je cite hors contexte, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Je me cherchais mes cigarettes, je reviens. Va te chercher tes cigarettes. Non, pour revenir sur Soral, en quoi ce que je dis diffère de Soral? Mais c'est évident, il n'y a pas besoin de... Vous avez bien compris qu'à un moment... Soral, il fait du roman. C'est-à-dire qu'il a son espèce de petite fiction. Il arrive très bien à débrouiller le non-dit, c'est-à-dire tout le politiquement correct, tous les espèces de codes, tout ça. Il arrive complètement à les péter et à voir qu'en effet, c'est un petit milieu. Sauf que lui, il rajoute toujours juif après. C'est un petit milieu, en effet, il y a des effets qui créent que. Voilà. Mais pour lui, derrière tout ça, il y a toujours un roman. Qui est le roman de la domination juive. Donc il va tout expliquer, et quand il sait pas trop, parce que, attendez, quand Alain Soral vous dit, alors là, ces armes-là qui sont arrivées, qui ont été financées certainement par... il prend même pas la précaution de dire certainement. Mais ces armes qui ont été financées par les Émirats... Non, il va les rajouter, mais ça tout le monde le sait, il suffit de se renseigner. Ça tout le monde le sait, il suffit de se renseigner, il te dit jamais pourquoi ni comment. Enfin bref, quand il prend un fait d'actualité, la viande halal, je sais pas quoi, il peut te prendre le truc de fin d'us et te dire que c'est les juifs derrière, quoi. Parce qu'il va s'inventer un petit roman derrière, et c'est toujours ça... Il va mettre le doigt très souvent sur des choses très justes. Il y a des choses avec lesquelles je suis complètement d'accord avec son analyse. Notamment bah, quand il dénonce la pensée unique, libérale, etc. Il a complètement raison. Sauf que lui, derrière, il plaque son roman, quoi. Le roman de Soral, avec des juifs partout, avec un complot. Mais vous pensez, comment peut-on penser sincèrement, le monde étant si complexe, les institutions étant si complexes, que toutes pourraient être manipulées par un groupe qui le ferait dans un but unique, et comment même ce groupe
qui est hétérogène pourraient être d'accord sur un but commun en sachant que ce sont autant de petits individus qui n'ont pas la même vision du monde, qui n'ont pas la même vision de l'avenir. Mais ça, c'est quelque chose qui procède de la pensée magique. Ce qu'on appelle la pensée magique, par exemple, c'est avant, quand on voyait des phénomènes naturels qu'on ne savait pas expliquer et qu'on faisait une analogie en disant, bon, bah nous, quand on produit des effets, c'est issu de notre volonté. Donc si on voit des effets qu'on n'arrive pas à expliquer, par exemple la foudre et tout ça, on va dire que ça procède d'une certaine volonté qui nous est supérieure, comment donc la volonté divine. Et là, quand on voit des effets de système, typiquement, slow, oui, et après tu mets un chiffre, mais Fouquet a écrit le saut. Ouais, pour l'instant, quand on il voit a des combien, effets de système qui provoquent des effets négatifs, on va se dire, tiens, bah, s'il y a du mal qui se fait, alors que moi, quand je veux créer le mal, ça, c'est issu de ma volonté, forcément, ce mal-là doit être issu d'une certaine volonté. Et là, on crée une fiction d'un groupe de gens, de les Illuminati, le lobby judéo-sioniste, qui va être à l'origine de ce mal-là. Mais ça, c'est beaucoup trop simpliste comme explication, ça peut pas marcher comme ça. C'est de la pensée magique. Ouais, à ce moment-là, sinon on pourrait dire que c'est un esprit malin, comme le faisait Descartes pour expliquer la tromperie. C'est un malin génie qui pourrait être à l'origine du mal. Et typiquement, pour montrer que les choses sont pas aussi simples... Je vais télécharger le truc. Vas-y, continue. Plus aussi dans simple qu'à une certaine période. Donc, quand Marx arrive au 19e siècle et qu'il fait une séparation claire et nette entre la bourgeoisie et le prolétariat, certes, ça fonctionnait. Maintenant, on vit dans un monde où c'est beaucoup plus compliqué que ça. Prenez dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle des cadres dirigeants. Et ces gens-là sont dans une situation compliquée pour la lecture purement marxiste de l'histoire. Puisqu'ils sont matériellement du côté du prolétariat, ce sont des salariés, mais symboliquement du côté du capitaliste, puisqu'ils défendent les intérêts du patronat, vu que maintenant même un PDG peut être un salarié. Donc avec des cadres simples, seuls de « c'est la faute des bourgeois », tu en viens à perdre toutes ces notions-là de « tiens, tu peux être symboliquement d'un côté et matériellement de l'autre ». Franc-maçon, il faut bien savoir ce que ça veut dire. De quoi franc-maçon est-il ? De quoi la franc-maçonnerie est-elle le nom ? C'est quoi les francs-maçons ? Les francs-maçons, c'est des gens qui se réunissent entre eux et qui discutent, qui font des plans, c'est des intellectuels en grande partie, des intellectuels. La franc-maçonnerie, c'est pas un réseau pour distribuer des places, d'influence, qui décide du futur, etc. C'est un réseau de gens qui réfléchissent entre eux, qui font des rapports, qui font des débats, et qui en effet ont la prétention de penser que la société de demain a besoin d'être pensée, et que pour la pensée, il vaut mieux être ensemble. Là où ça devient plus délicat, c'est cette question du culte de l'opacité, quoi. Ces débats doivent être faits en marge. L'aspect ésotérique. C'est ça. Et là, évidemment, c'est. Mais ceci dit, il y a des gens très bien chez les francs-maçons. J'ai moi-même rencontré des gens de qualité là-bas et des gens qui semblaient vouloir y faire un travail tout à fait intéressant et productif. Après, je suis jamais allé dans des cercles francs-maçons, je sais pas quoi, j'ai pas vu ça de l'intérieur. Mais c'est pas parce que quelqu'un est franc-maçon qu'on peut le discréditer d'office. C'est pas parce que quelqu'un est franc-maçon qu'on doit dire ce gars-là, de toute façon, il participe à un complot. Non, c'est pas les complots, c'est des gens qui se réunissent pour penser demain. C'est problématique. C'est extrêmement. Tout comme il y a des think tanks à droite. Bilderberg, c'est pas plus. Le fait qu'il y ait des réseaux qui se réunissent entre eux pour penser le monde de demain, c'est problématique. Parce qu'il y en a plusieurs, déjà, il y en a pas qu'un. Alain Soral, quand il te dit les juifs, tout ça, il s'imagine, voilà, il y a un espèce de Bilderberg. En effet, Bilderberg, ça existe. En effet, le dîner du siècle, ça existe. C'est des gens qui se réunissent pour penser entre eux. Et les francs-maçons aussi. Et il y en a. Et il y a les think tanks. Les think tanks, je sais même pas si les gens savent exactement ce que c'est. Les think tanks, c'est des groupes de pensée. C'est des groupes de gens qui réunissent et qui sont là pour, bah, encore une fois, la même chose, penser demain. Donc le Parti Socialiste a un think tank qui s'appelle le Terra Nova. C'est l'élite de l'élite, si vous voulez. C'est l'élite de l'élite qui se réunit entre elles. Alors c'est très problématique, en effet, d'un point de vue de la démocratie. Parce que, est-ce que c'est des gens entre eux sélectionnés, on ne sait pas comment, qui doivent penser demain ? Moi, je pense que non. Moi, je pense que tous ensemble, on ferait mieux de faire ça sur la place publique, plutôt que de faire ça caché dans un coin. Et qu'est-ce que je disais ? Mais bref, en tout cas, le fait qu'il soit franc-maçon ne le discrédite pas plus que le fait qu'il soit homme politique. Ce sont des questions, à ce moment-là, on discrédite tout le monde. Si appartenir à un cercle un peu opaque devait discréditer tout le monde, à ce moment-là, il n'y a plus personne de crédible, et on n'a plus qu'à s'enfermer dans des logiques de complot où on ne croit plus à rien.
Non mais Usul, tu peux pas partir comme ça, pas sur une note positive, pas après avoir passé 2 ans à conspuer tout le monde. Ouais, t'as raison. Je vais leur mettre une dernière saucisse. Comment tu fais déjà? Comme ça. Comme ça. Et c'est parti pour la saucisse! Toi le gros éditeur qui se fout bien des joueurs, qui en toute indécence nous sort les mêmes licences. Tu nous prends pour des cons et des fois t'as raison. Dis-moi quand la suite de Bioshock Infinite. Jusque-là on a rien dit, on a serré les cuisses. Mais le vent tourne et aujourd'hui tu mérites une saucisse. Saucisse, saucisse pour vous les éditeurs. Saucisse, saucisse et pour les journalistes. Saucisse, saucisse pour certains youtubeurs. S'ils comprennent pas bien, on leur met du boudin. Saucisse, saucisse pour vous les éditeurs. Saucisse, saucisse et pour les journalistes. Saucisse, saucisse pour certains youtubeurs. Et pour tous les salauds, ce sera du chorizo. Bah ouais, parce que c'est comme une saucisse, mais qui pique, quoi. Et tout le monde debout! Toi le journaliste, comme ta vie est triste, tu prends de jolis tests, et tout le monde te déteste. Sacré travail ingrat, qui paye pas si bien que ça. Heureusement qu'à côté, y'a voyage et soirée. Jusque là on a rien dit, on a serré les cuisses. Mais le vent tourne et aujourd'hui tu mérites une saucisse. Saucisse, saucisse pour vous les éditeurs. Saucisse, saucisse et pour les journalistes. Saucisse, saucisse pour certains youtubeurs. S'ils comprennent pas bien, on leur met du boudin. Saucisse, saucisse pour vous les éditeurs. Saucisse, saucisse et pour les journalistes. Saucisse, saucisse pour certains youtubeurs. Et pour tous les salauds, ce sera du chorizo. Bah moi je suis bien content que cette émission de gauchiste là elle s'arrête hein. Les gars ils ont oublié quand même que le fric c'est du pognon. Tout le monde, tout le monde. Ouais le jeune youtubeur qui voulait faire son beurre. T'as écarté les fesses pour avoir ton passe-presse. Maintenant tu reçois les jeux avant les autres merdeux. Et ton intégrité tu l'as monétisé. Jusque là on a rien dit, on a serré les cuisses. Mais le vent tourne aujourd'hui tu mérites une saucisse. Saucisse, saucisse pour vous les éditeurs. Saucisse, saucisse et pour les journalistes. Saucisse, saucisse pour certains youtubeurs. S'ils comprennent pas bien, on leur met du boudin. Saucisse, saucisse.